Alors, voici le tableau que je vais effectuer là devant vous. Vous voyez une petite montagne là, verdoyante, deux petites îles, un lac, le tout très coloré. Alors donc voici deux brosses, une petite et une grosse. Et une très grande qui servira à faire des effets de brume. Là, c'est un pinceau, brosse, éventail. Un autre, plus petit. Voyez la différence. Et ça, donc, c'est une brosse, mais ronde. Et alors, donc, ça, c'est un couteau. Bon, c'est une spatule en quelque sorte, mais vous voyez bien qu'elle a une forme assez spéciale. Vous voyez donc que c'est pour gratter sur le tableau, donc il y a un petit côté et un grand côté. Alors là, ce que je commence à faire naturellement avant de démarrer le tableau, je mets de la peinture blanche. Bon, là dans le milieu, pour ce tableau-ci. Parce que j'aurais besoin donc de mélanger des couleurs tout à l'heure dedans. Donc là je prends mon pinceau donc moyen, enfin ma brosse moyenne. Je mets donc du bleu assez clair pour faire le ciel. Que j'étale donc au maximum sur le tiers du tableau. Alors surtout bien le lisser naturellement pour éviter de faire des traits à l'intérieur parce que vous avez que les pinceaux ou brosses. De toute manière, ça laisse des traces et même quelquefois des poils. Donc là, je le fais en bas, en un petit peu plus clair. Alors, donc le haut pour le ciel et le bas, bien sûr, c'est pour le lac. Donc sur le tiers aussi. Mais donc dans le milieu, il reste du blanc, donc le blanc que j'avais mis au préalable. Donc je lisse bien sûr. Et donc là, avec la grosse brosse, comme j'avais dit tout à l'heure, donc pour faire des effets brumes, donc que je trempe un petit peu quand même dans l'eau, parce que si je ne trempe pas, ça va pas bien se mélanger. Vous voyez, donc ça se mélange là avec la peinture blanche. Et je rentre un petit peu et j'en remonte encore un peu dans le blanc. Et un effet bleuté dans l'eau sans être trop bleu, vous voyez. Donc pour l'instant il n'y a rien de compliqué. Voilà à quoi sert cette grande brosse. Alors ne pas oublier donc toujours de mouiller la brosse de façon à ce que le mélange soit homogène. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est de la peinture acrylique et non de la peinture à l'huile. Pour l'huile, on agit différemment.
Là, je rajoute un petit peu plus de bleu. Donc sur le haut du tableau. Naturellement, donc tout le monde sait que le bleu ciel, donc ça se fait bien sûr avec du blanc et puis et on met moins de blanc si on veut faire plus clair, naturellement. Pardon, c'est l'inverse. Voilà, alors donc maintenant. Donc avec le petit pinceau, donc je vais faire les nuages. Donc là, on peut mettre de la peinture, bien sûr. Mais quand on ne rajoute pas de peinture sur le pinceau, donc les nuages sont naturellement moins clairs. Par contre, je rajoute toujours un petit peu plus sur le haut du nuage. Tout le monde sait que les nuages, donc au loin, sont très pâles. Au clair, très clair, donc quand ils sont plus près, il y a des nuages bien sûr très très blancs et d'autres un peu moins visibles. Et donc encore toujours la brosse pour étaler le tout de façon à ce que ça se mélange bien avec le bleu du ciel. Donc là maintenant j'attaque la montagne. Donc je prends un pinceau assez fin. Mais je fais quand même un traçage de la montagne assez épais. Donc je ne vais pas au bout du tableau. Donc je remplis la montagne. Donc là je mets un vert assez foncé. Et je ne laisse bien sûr aucun blanc dans la montagne. Et j'insiste bien sur les contours. Voyez, après un petit coup de brosse, toujours pour faire un effet brume. Vous voyez, le mélange est homogène. Donc je rajoute toujours un petit peu d'eau. Vous voyez comme ça se mélange bien. Donc encore là pour l'instant, rien de compliqué. Alors ce qui va être un petit peu plus compliqué après, c'est quand je vais arriver sur des petits rochers. Parce que là, j'en fais vraiment des tout petits. Qu'on va voir dans la montagne, mais ils vont être vraiment très petits. Il y a une manière de faire, vous voyez. Donc je prends ce couteau là, donc avec le petit côté, je prépare mes rochers, donc que je fais
comment dire, à plat. Le couteau le tient bien, bien à plat, sans appuyer dessus, en le tenant légèrement. Maintenant, je rajoute donc une couche de blanc et de marron. Et comme vous pouvez le constater, le blanc et le marron sortent ensemble. Pourquoi? Parce que quand j'ai préparé le blanc et le marron, j'ai mis le blanc et le marron ensemble, mais sans mélanger. Et sur le couteau, ça sort du relief comme ça, tel quel. Donc s'il n'y a pas assez de relief, bien sûr, donc vous en rajoutez un petit peu. Comme là, par exemple, je remets un petit peu plus de blanc. Donc là, maintenant, j'ai repris un petit pinceau brosse pour faire donc la verdure. Donc un côté clair, donc le côté gauche, et un côté un petit peu plus foncé sur le côté droit. Je fais bien les contours, le tour des rochers. Et là, j'y vais par petites touches, par petits tapotements, de façon à ce que ça fasse un effet herbe. Donc, toujours là, pour l'instant, rien de bien compliqué. Comme je vous l'avais signalé précédemment, le plus compliqué dans l'histoire, c'est de se servir donc de ce couteau. Bon, là, que vous avez trois petits rochers, bon, ça, c'est rien de bien méchant. Mais quand vous faites une montagne complète, des rocheuses par exemple, c'est pas tellement plus compliqué. Disons que c'est quand même assez spécial. Il faut tenir le couteau vraiment très 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 à plat et non perpendiculaire à la toile. Sinon vous faites un pâté. Alors quand vous faites un côté clair et un côté foncé, donc ça divise la montagne, ce qui fait que ça donne un effet relief encore. Donc après je rajoute encore du vert, encore plus pâle. De toute façon on joue avec les couleurs en ajoutant du blanc de toute manière. Et ça rend très bien comme ça. Là je délimite donc le bas de la montagne. Un trait très épais sur la droite en allant jusqu'au plus fin au bout de la montagne. Donc là maintenant j'ai pris le pinceau éventail. Bon là vu que c'est des petits arbres donc j'ai pris le petit et je commence à dessiner les troncs. Vous voyez? Là, on en voit donc 5 à droite et 1 en milieu. Donc 6 au total. Et donc, avec la pointe, et je précise bien la pointe de l'éventail, on fait vraiment le haut du sapin. Et après, tout doucement, on descend en prenant un petit peu plus de largeur de pinceau de façon à donner. Vous voyez un effet vraiment ben, sapin quoi, c'est-à-dire donc fin en haut et gros en bas. Ça va mieux à travailler sur des grands sapins que sur des petits. Donc on n'oublie pas la petite pointe tout en haut du sapin. L'avantage donc de ce pinceau, c'est qu'on peut faire des traits très très fins. Donc là, je vais de bas en haut, en remontant le pinceau, de façon à faire encore un petit effet d'herbe. Et je fais la même chose après en dessous.
façon que ça reflète dans l'eau. Là, vous avez remarqué donc forcément que donc là c'est l'eau, donc il faut qu'il y ait un reflet. Voilà, bon, pour l'instant on voit pas très bien, mais ça va pas tarder. Vous voyez, regardez, et donc ça fait de l'ombre dans l'eau. Et c'est pas l'ombre des sapins. Pour quelle raison? Parce que les sapins sont quand même assez loin, donc il n'y a pas d'ombre de ce côté-là. Là, donc j'ai fait un effet donc verdure tout le long avec du vert auquel j'ajoute du blanc. Bon, pour les sapins bien sûr c'est du vert en ajoutant du noir. Un petit coup de brosse de façon à ce que ça se mélange bien. Vous voyez, alors là maintenant donc là je prends le couteau, ben, simplement pour redémiliter une seconde fois, mais faire un effet, je vais pas dire vague, mais c'est des reflets dans l'eau. C'est pour ça que je mets là, par contre j'ai mis du blanc. On met toujours du blanc d'ailleurs. Pas pour un tableau en naturel. Alors là j'ai déjà donc commencé une île. Vous voyez, les sapins sont plus grands. J'ai changé de pinceau, j'ai pris plus grand. Donc c'est toujours le pinceau éventail. Et là je suis en train de superposer donc la deuxième couche. Donc plus clair. Oui, ça donne tout de suite du reflet au sapin. C'est pas fini, bien sûr, ça va faire encore plus joli après. Vous remarquerez bien sûr que au bout de la petite île, là, à part les trois arbres qu'il y a, il y a un petit peu touffu au bout. Parce que là, je vais faire quand même des fleurs de couleur. Donc là, j'en rajoute un petit peu, bien sûr. Alors, ce pinceau-là, donc le pinceau éventail, donc a plusieurs avantages naturellement, c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. D'ailleurs, les plus grands peintres en possèdent un. Vous voyez ce que ça donne? Donc, ça permet aussi donc bah, de faire de l'herbe plus près. Et ça donne de plusieurs traits en même temps, vous voyez. Là, je suis en train de faire des petits rochers qui longent la côte. Et donc je fais la même chose qu'avec les rochers que j'ai fait sur la montagne, vous voyez, donc je donne du reflet. Ces rochers, donc je mets du rouge orangé avec mélangé donc avec du marron et un peu de blanc. Vous remarquerez que le blanc, on s'en sert quand même relativement beaucoup. Alors quand vous faites de la peinture, du noir, vous pouvez prendre un petit tube, mais par contre du blanc, prenez un gros pot. Parce que c'est une des couleurs qu'on utilise le plus avec le bleu et le vert. Le bleu, il est conseillé de prendre de l'outremer. Bon, le vert, vous avez plusieurs sortes de vert, mais prenez le vert toujours pas très très foncé, mais assez tout de même. Vous voyez, donc j'ai fait l'autre île à côté, sur la droite, et je rajoute aussi des rochers. En plus, l'île, donc il n'y a rien de compliqué non plus, hein, de toute manière, avec la brosse, la petite brosse,
la première que je vous ai montrée au début. Donc vous y allez avec le bout de la brosse en tapotant dessus et puis ça vous fait des effets comme ça de bosquet. Donc toujours plus foncé d'abord et après donc on va comment dire, en éclaircissant. Et vous remarquerez quand même que quand il y a plusieurs arbres comme ça ou plusieurs arbustes, il faut absolument mettre du. Par exemple, si vous mettez un clair à côté, vous mettez un foncé. Après, vous remettez un clair. Vous voyez, de façon à ce que à faire ressortir donc celui. Parce que si vous mettez que du clair ou que du foncé, ils vont tous se confondre. Vous voyez? Pour éviter que ça se confonde, donc on fait un effet d'ombre. Donc quand on en met comme ça, en général, on en met un devant, un derrière. Vous voyez? Comme là j'ai fait. Alors vous voyez là que ça donne pas grand chose, mais vous allez voir après ce que ça va donner, une fois que ça va être fini. Alors là, ce que je n'oublie pas, et puis surtout il ne faut jamais oublier ça, c'est quand vous faites ça comme ça, puis surtout quand vous êtes au bord de l'eau, bah, il y a toujours forcément, parce que vous voyez que le ciel il est clair, il y a toujours forcément donc de l'ombre. Et l'ombre, bah, ça reflète dans l'eau. Et le reflet, il est quand même assez prononcé. C'est pas le même reflet que, par exemple, si vous prenez une forêt avec une clairière. Donc là, forcément, dans l'eau, ça, le reflet est quand même assez fort. Vous voyez, je commençais à remettre de la couleur. Donc là, j'ai mis donc du rouge. Alors, donc du magenta, bien sûr. Mais il n'y a pas que cela, vous voyez, donc vous pouvez aussi donc fabriquer de l'orange. Pour l'orange, il y a rien de compliqué, hein. Sinon, vous l'achetez toute faite, hein, l'orange, au départ. Après, vous pouvez la fabriquer. Toutes les couleurs, de toute façon, elles se font en gros un petit peu sur le tas, vous voyez. Moi, je le fais au feeling. Les couleurs, je les fais au feeling. Quand je sens une couleur, je la mets. J'ai fait des tableaux avec des fleurs, tout ça, de toutes les couleurs. Croyez-moi, il y en a certains qui avaient dit me la passer. Moi, je rajoutais par-dessus parce que l'avantage de la peinture acrylique, c'est qu'on peut toujours refaire par-dessus. Parce qu'elle sèche très vite. Bon, à l'huile, vous pouvez le faire aussi, mais bon, elle a tendance à un peu plus se mélanger. Là, vous avez remarqué qu'avec le couteau, donc j'ai fait par exemple 3 ou 4 petits traits le long de l'arbre. Donc c'est pour faire ressortir le tronc. Parce qu'il y a des troncs qu'on a du mal à voir. Par exemple avec le feuillage, ça fait énorme. Hein. On voit pas très bien le tronc. Alors donc on rajoute un petit peu, mais un petit peu plus clair. Dans ces cas, si vous mettez du marron, vous rajoutez un petit peu de blanc. Puis si vous mettez du vert, bah, maintenant c'est quand même, vous mettez du vert. Avec un petit peu blanc aussi. Vous voyez, comme quoi je vais faire sortir. Là, les arbustes qu'il y a là, donc les troncs sont quand même un petit peu plus gros. Là, pour l'instant, on les voit bien. Mais ça va s'estomper un petit peu après. Parce que vous savez, quand la peinture elle sèche, la peinture s'estompe. Elle se confond un petit peu avec le feuillage, vous voyez. Tant que ça se voit moins. Alors si vous avez tendance à faire quelque chose de trop gros, bon, n'ayez pas peur, de toute façon, de remettre dans ces cas-là de la peinture. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, c'est ce que je faisais du moins au début. Bon, ben, maintenant, j'ai l'habitude, donc je ne le fais plus. Mais bon, une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Mais enfin, on peut rattraper. Hein. Par contre, si vous mettez du foncé sur du clair, et puis que vous avez fait l'erreur donc de mettre une tache dessus, ce qui peut arriver bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux travailler sur un chevalet, parce que quand on travaille à plat, bon bien sûr on est peut-être plus à main, mais à plat on a des risques de faire couler. Et si on met un peu trop de peinture, des fois ça peut. Ou un mauvais geste, ça peut arriver aussi. Donc je fais les reflets que j'ai fait donc de l'autre côté de la rive, je fais les mêmes reflets ici. Un petit peu plus prononcé parce que c'est plus près. Plus c'est loin, plus c'est fin, c'est normal.
Et comme j'ai fait les reflets verts, mais faut pas oublier que j'ai fait des arbustes en rose, et ben je fais aussi donc des reflets roses, enfin c'est rose orange. Voilà, le tableau bien sûr est presque terminé. Mais comme vous pouvez constater, de toute manière, je reviens toujours pour refaire des retouches. Toujours, toujours, toujours. Parce que jusqu'au bout, le tableau n'est pas fini tant que vous n'avez pas fini toutes les retouches. Puis même, vous le sentez de toute façon, vous voyez, ah, il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez le pinceau et vous continuez à faire des retouches. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de refaire. Parce que on cherche toujours la perfection. Vous voyez, je remets de l'ombrage et de l'éclaircissement. Alors là, avec le couteau, je me suis amusé simplement, ben. Donc à faire ressortir un petit peu le bas donc des arbres donc le bah, les troncs quoi. Vous voyez, je reprends le couteau et je gratte. C'est ce que j'étais donc en train de vous dire. On gratte un petit peu le tableau. Donc la couleur qui est en dessous, vu que c'est pas encore sec, donc ça fait ressortir le blanc du tableau. Donc ça, on fait ressortir vraiment à toutes les tiges. Vous pouvez faire la même chose donc avec des branches, quand c'est petit, hein, bien sûr. Si c'est des grosses branches, vous ne faites pas. Oui, il n'y a rien de bien compliqué à faire un tableau. Là, je vous en ai montré quand même un assez simple. Là, c'est ma première vidéo. Le prochain, il sera plus compliqué. Mais tout en étant expliqué avec tous les détails. Donne toujours des retouches tout le temps, je reviens toujours sans cesse jusqu'à ce que ça me plaise. Et quand ça me plaît, j'arrête. Voilà, comme là, j'espère que ça vous a plu. Bon, bah, si ça vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne ou alors j'ai un site aussi. C'est inscrit. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir. You better